Et bien salut tout le monde, c'est The Sky et aujourd'hui on se retrouve avec Poisson d'Aventure sur FF7 Remake et j'ai trouvé le dernier point, il est ici mais malheureusement il y a de l'eau qui nous empêche de passer donc du coup apparemment il faut avancer un petit peu plus pour pouvoir donc réactiver tout ce bordel pour pouvoir donc virer l'eau des canalisations. Et alors du coup, allez, on va avancer, on va casser ça. Ouais, des PM restaurés, ouais. Ouais. Allez, on y va, baby. Alors, où est-ce qu'on est ici? Ouais. Allez. Ce salaud de Cornéo. Il perd rien pour attendre. Ouais, il perd rien pour attendre, Cornéo. Cornéto. Hein? Ah, ha! Entendu. Ah, ha! Allez. Bon. Je sais pas ce que ça va être comme combat, j'espère que ce sera pas trop difficile, même si je m'attends à un truc où je vais encore galérer ma mère comme d'habitude. Hein. Allons voir ça, menu 7. Au final c'est quand même plus simple. Ah! Le prince Sawagin! Ah, il est pas tout seul, fais chier! Cloud! Oh, ça commence très très mal. Eh, vas-y. Ouf, 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 ouf. Viens. Il faut toucher Cloud. Il est pas fini. Putain, même pas, tu prends cher, bordel. Carby, vite. Oh là là! Vite, aide-nous! Oui, il va falloir beaucoup se barrer. Non! Allez! Quoi? Énorme blague! Phoenix, désolé pour l'attente! Allez! Maintenant, ça va être Tifa qui va suivre, quoi! Vas-y, Carby! Et putain, j'ai plus. Tu devrais être plus prudent. Mais ils me font chier à sauter partout, sérieux. Mais quoi? J'étais même pas dans la zone. Mais ouais. Allez, mon cul du poulet. Je vais lose ici, quoi. Mort de rire. Voilà, hop, pour ma gueule. Hein. Ah, mais non! Allez, carrément deux qui sont fait choper. Quoi. Bon. Cloud. Non! Allez, Tifa, sa transcendance en plus là! Hop, je vais me prendre dans la gueule à tous les coups. Garde ton sang-froid. What? Elle est bloquée! Je peux plus bouger! Je peux plus rien faire! Eh, hey, niquez-vous là! Oh! Bon. Oh là là! Ah, petite transcendance, s'il te plaît. Cloud, est-ce que t'as encore assez de mana pour Tifa? Je vais pas mourir ici.
Ah non, tu vas pas mourir, c'est sûr. Putain. Voilà, malédiction. Eh, hey, Tifa, là, saute dedans. Eh, hey, putain, non, c'est moi qui me fais. Un saut! Ah, tu sais quoi, prends-toi du vent un petit peu. Hop. Voilà. Nice. Continue comme ça. J'allais te le dire. Tiens, d'émeraude. Alors, c'est bon, là? On les a tous, maintenant? Et du coup, on fait quoi? Ça prendrait sûrement du temps de les vendre. J'ai une idée. On pourrait les confier à Merle, si le but est d'aider les gens du secteur 7. Ouais, mais la question, là... je me pose, c'est comment je fais pour revenir? Parce que normalement, dans les tunnels comme ça, si on maintient... ah non, ça marche pas ici. Si je maintiens L1, il se passe que dalle. Ah. Putain, et ça wagine avec leur saut de les couilles là. Voilà. Allez. Bon, à mon avis, Square nous a pas fait une connerie, genre en mode ouais, c'est un monstre, t'es niqué. Je pense pas qu'il soit assez salaud pour nous aider. Pour nous fausser à faire tout le chemin en arrière. En tout cas, ce que j'espère pas. Dans le doute, vous savez quoi, on va faire une sauvegarde ici. Charger, sauvegarder. Bon, ça me casse les couilles qu'on puisse pas invoquer Ifrit comme on veut, quoi. Toutes mes invocations, c'est ce que j'arrive jamais à invoquer. Apparemment parce qu'il... il s'invoque qu'à certains combats. Ça, c'est stupide, je trouve. Vraiment du gâchis, en vrai. Alors... où est-ce que l'on va tomber? Ah, je peux plus revenir en arrière, magnifique. Attends gros, y'a quoi ici? Y'a pas un petit raccourci en mode coucou? Ouais. Elle sert à quoi cette zone? À part faire joli. Clavage. Ok. Relou. C'est bon, on peut y aller. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de nous ici? Une médaille mug. Ça ne s'ouvre pas. C'est verrouillé l'intérieur. Pop, pop, pop. Bon, t'avances gros. Comme ta meuf que t'es en train de partir rechercher là. On m'a dit que si j'arrivais à un grand mur, fallait que je m'arrête. Attention. Bon, ici. Vas-y, ouvre. Attendez-moi ici. Ok. C'est vraiment une bonne idée de laisser y aller seul. On va les racheter. Ah ben. Attendez. Est-ce que j'ai fait l'erreur là?
non, j'ai pas fait une erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller le voir. On va continuer sur cet endroit-là. Et... Ah, ça nous ramène ici, ok. Bah cool, hein. Ok. Est-ce que je peux rentrer directement? Non, je peux pas. Eh merde. Ah, ça m'énerve. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir faire ma quête secondaire, histoire d'avoir maxé tous les trucs. Pourquoi est-ce qu'on s'est fait chier à venir jusqu'ici en fait? Bon, désolé, je fais encore une sauvegarde. Presque 25 heures de jeu quand même, hein, attention hein. Et 36 000 gills. Bon, par contre, tu chats, merci. Ah! Qu'est-ce qui se passe si j'active ce machin? C'est moi, Leslie! Je suis venu vous livrer un message important! Ah oui? Tu es seul? Oui. Henri? Et où sont mes petits chatons d'avalanche? Si je ne m'abuse, c'était pourtant ta mission de me les ramener! Je suis désolé. C'est ce dont je voulais vous parler. Leslie, tu n'es pas sans savoir pourquoi je me cache dans ces égouts. Les petits chatons d'avalanche m'ont coincé. Et j'ai un petit peu trop parlé. La Shinra n'a pas vu ça d'un très bon œil. En détruisant complètement le plateau, elle espérait beaucoup plus de victimes que ça encore. Mais il a fallu que les petits chatons viennent s'en mêler. Ils ont fait fuir ces rats du bidonville. Il faut que je te dise un petit secret. La Shinra veut abandonner Midgar et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit. J'y avais ma place. J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market. Mais maintenant, je suis recherché. Leslie. Et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement. Oh, tu me déçois beaucoup. Et maintenant, un petit quiz. Quand les grandes crapules dans mon genre se mettent soudain à raconter toute la vérité comme ça, c'est dans quel type de situation, hein? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. C'est ça. Tu en es persuadé? Oh mais... Que faites-vous là? Parle-moi du secteur 7. Qu'est-ce que t'as eu à voir dans tout ça? Là! Oh! Regarde! Là! Non, mais tu te fous de ma gueule, là! Oh hi! Tant pis! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule, en vérité. À toi de jouer, mon poussin! Fais-le, les gros poutous! Au revoir. Enfer. On va d'abord faire taire celui-là. Oh mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Donne-moi ça.
Allez, on va gérer les ZAD. Qui va envoyer des rejetons en boucle. Ouais. Il est où? Oh non, encore ce machin. Il faut Claude. T'as pas fini, mais t'arrêtes pas de te faire la télécouille, Tifa, franchement. Oh là là. T'as encore du feu. Ah putain, c'est comme qui se l'est pris. Alors mon petit Barrette là, t'as quoi comme sort? Non, c'est quoi, tu vas me heal? Va faire, hein. Je crois qu'il est enragé, je me suis. Oh, 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 oh. En fait, c'est vachement mieux pour Kulin, Cloud. Ah, oh, charge de boost, putain. Ah! On peut faire une invocation! Au moins que Barrette a gagné un level! Alors, question du jour: qui peut. Oh! Enfin, je peux invoquer Ifrit! Putain! Putain, était tard, hein. Amuse-toi bien. Oh là là. Plus le temps que j'attends ça. Éruption de flamme, s'il te plaît. Wow. D'accord. Tifa, transcendant, s'il te plaît. Je compte sur toi. Ah bah voilà. Easy. Quelle grosse blague. Quelle grosse blague qu'on le réaffronte quand même. Oh.
Ça va? Où est Corneo? Désolé, il nous a échappé. Tant pis. Je le retrouverai bien. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Rien de mieux que ça? Que de chercher Corneo? Hein? Cherche plutôt ta fiancée. On se rend compte souvent trop tard qu'on aurait dû oublier sa fierté. Mais pour toi, il est encore temps. Langage des fleurs? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Retrouvailles. Hein? C'est ce que cette fleur signifie. Je crois que vous avez raison. Je vais la chercher. Je vous remercie. Deux secondes. T'as pas oublié ta promesse, j'espère. Non, je sais. Ah, voilà. Sortons d'ici. Que je vous montre comment aller là-haut. Ah, je peux retourner à la surface. Bon. Si je peux retourner à la surface, c'est le moment. Sauvegardons, parce qu'on sait jamais ce qui pourrait arriver. Je vais retourner à la surface, par contre je sais absolument pas ce qui va se passer. Enfin, remarque, déjà on va aller voir ce qu'il y en a. En fait. Retourner à la surface. Ouais. Ah, je sais pas. Si je prends ça, il se passe quoi? What? Vous avez vu que Claude il a bugué? D'accord. S'il te plaît, me dis pas que ça avance un chapitre et que ça me nique la quête secondaire, s'il te plaît. C'est tout ce que je veux entendre. Que ça me nique pas la quête secondaire, que je pourrais prendre un chocobo et que je pourrais me barrer. Parce que si vous imaginez si je dois retourner à l'intérieur de tout ce bordel. On verra bien. Ah. On peut enfin respirer à plein nez. Par ici. Pistolet grappin. Suffit de tirer pour accrocher le grappin, et puis de rembobiner le câble. Derrière le mur, là-bas, c'est le secteur 7. Avec ces grappins, il n'y a pas un mur ni une pile de débris qui vous résistera. Mais ils sont pas faits pour la descente. Mieux vaut vous dire que vous pourrez pas revenir une fois monté. Avant d'y aller, assurez-vous d'avoir rien oublié en bas. Merci beaucoup. En vérité, nous aussi on cherche quelqu'un. Je vois. Je vous souhaite bonne chance. À toi aussi. Non, 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 marche arrière, marche arrière, marche arrière. Non, les trésors de Corneo. Ah bah, tant mieux. Ah, mais merci. Ah, merci le jeu, là, je te dis merci. Merci d'avoir pensé à moi une fois avoir fini cette mission. Ah, j'espère que c'était... Ah oui, c'est bon, c'est le dernier. Les gens qui ont évacué les premiers sont sur... Tiens, vous voilà. Cadeau de l'ange gardien. Elle dit de vous en servir pour venir en aide au secteur 7. Attendez. Vous voulez parler de la célèbre justicière ?
Ne me dites pas que vous l'avez rencontré ? Non, on a juste eu le message. Ça alors ? L'ange gardien en personne. C'est vraiment généreux de sa part. J'en ferai bon usage, c'est promis. Ah, j'y pense. Prenez donc ceci. C'est le genre de chose qui pourrait vous être utile, non ? Intéressant. En attendant, j'ai toujours pas une nouvelle épée. Ça me casse les couilles, donc du coup, je suis en mode je suis stressé, parce que je sens que j'en ai oublié une. Parce que Tifa, elle, a eu la blinde de trucs, et moi, j'ai toujours rien. Tu en as eu. Ah, mais putain, ouais. J'en cherche une équilibrée, mais... Je crois que je vais retourner sur les gantelets à plumes. Parce que moi, elle est équilibrée sur les gantelets à plumes. Bon, Barrette, toi, par contre... mon petit Barrette, donc t'as 180, 161. Ouais, ça, le problème, c'est que du corps à corps. Je veux pas que Barrette soit en mode corps à corps, en vrai. Ça me saoulerait trop. Ouais, 44 dégâts en moins, quand même. Par contre, là, j'avoue que... Et je gagne en défense magique, c'est ça le pire. Bon, on va retrouver sur la épée broyeuse. Alors, regardons Barrette, du coup. Celui-là m'augmente quand même pas mal, hein. Mais je perds 100 PV. Putain, je gagne 9, mais je perds 10 points de dégâts. Hop. On va jouer un petit peu plus la résistance. Moi, je pense que Harry, ça doit être bon. Du coup, c'est par où ? Je retourne. Ah ouais, market, l'entrée, oui, ça sert à rien, mais bon. Allez, en route ! Ah bah, dis donc, ça aurait été rapide. Peut-être faire un petit somme vite fait, non ? C'est ici. Là, c'était ici où il y avait des musiques d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. Bienvenue. C'est pour passer la nuit ? Oui. Passe-moi la nuit. Bizarrement, on doit pas payer. À bientôt. J'ai pas payé ? Sérieux ? Ouais, c'est pas où. On commence par là-bas. Gauche. Des soldats de la Shinra sont entrés dans la résidence de Don Corneo. Ouais, alors ? Gardez ça pour vous. Problème, bitch. Sérieux ? Hey, salut, hein ? T'as pas des armes pour moi par hasard ? Bienvenue à la meilleure armurerie de Walmart. Ah mais si t'as pas une arme, ça me servira à rien. Ah, le... Le sabre de Mithril, je l'avais loupé. Merci. Ouais, là j'avoue que Claude va faire super mal. C'est quoi, c'est la lame ? Wouh ! Ah, ce potentiel d'AOE Malucette. Bon, maintenant je cherche plus pour les améliorations d'armes. Je passe en full dégâts. J'ai rien à foutre. Hein. Voilà. Bientôt. Ouais, pas mal. Il y a mieux, mais pas mal, je pense. Il s'est volatilisé. Sérieux ? De ce côté, non. Si. Non. Attendez, Nani. Non, c'est à gauche là-bas. C'est juste ici. Par contre, j'ai oublié mon matéria. Qu'est-ce que je peux mettre comme matéria dessus ? Alors, mon soin, il est là. Foudre, vent, feu, glace. Ça me fait augmenter. Même si c'est plus sur Tifa, j'aurais dû la mettre, mais bon. Allez.
J'entends un son. Monsieur, c'est vous qui avez le son? Écoutez cet air, m'aide vraiment. T'as l'air fatigué, toi aussi. Tiens, merci. Ah, disque boutaille. Lol. C'est pas une insulte à Avalanche, ça? Oh, mais il y avait un point de TP à côté, je l'avais jamais pris, il fait chier. Bah merde. C'est quoi ça? Une lettre de l'ange gardien. Une matéria affinité élémentaire à la gratitude d'un ange. Oh! Vous êtes prêts? Quand on aura passé ce mur, on pourra pas revenir en arrière facilement. On pourra pas revenir ici avant un peu. Ouais, je sais, justement, je vais vérifier que j'ai bien tout fait. Qu'on a à faire ici avant de se mettre en route. C'est pour ça que je vais vérifier que j'ai bien tout fait. Mauvaise touche. Alors, quête, réussi. J'ai tout réussi. Bon, je vais quand même vous demander un petit moment d'attente. Je vais quand même aller retourner voir Coupomog, mes couilles. Donc on est dans la zone de développement urbain. Ok, nice. Donc on va retourner à l'entrée du secteur 5. On passe. J'arrive à voir. On sait jamais, vous savez, qu'il est une petite arme cachée ou une connerie dans le genre. J'avoue que là, le petit coup en AO pourrait être franchement pas mal. Ah, c'est temps de chargement, putain, vivement que les disques de console passent enfin en mode SSD. Et oui, je sais, techniquement, on pourrait mettre un SSD directement dans la PS4, tout ça. Oui. Je suis où, là? Voilà. Enfin, quoi? Ah, je parlais trop. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et hop. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi voir un beau truc. C'est la musique du Gold Saucer. Ce Gold Saucer qui servait à rien dans FF14 Online, baby. Ouais, dis-moi que t'as un truc sympa, please. Putain, t'as rien. J'ai déjà tout. Chier. Putain, 8 médailles mug pour un élixir, quoi. 8. C'est enculé, va. Je sens que le bonheur s'est un peu rapproché, Coupeau. C'est ça. Tes parents, ils ont connu le bonheur quand je les ai trucidés, ouais. Connard. Putain. 8 médailles mog, quoi. Même les manuels, ils coûtent moins cher. Ça pour une élixir. Tiens, tu vends pas des trucs sympas, toi? Navré, mais je peux pas vous vendre ça. C'est pour les sinistrés. 500 000 terres. Ah, bien sûr, ils vendent pas d'élixir, sinon c'est pas drôle. Hein? On va quand même en garder un petit peu. Et toi, à tout hasard, tu ne vends pas une nouvelle arme? C'est vrai que le plateau s'est effondré. Oui, c'est vrai que le plateau s'est effondré. Bon, allez, retournons. Putain. 8 médailles mob pour une putain d'élixir. Allez. Hop. C'est du vol. Je suis désolé, c'est du vol. C'est une arnaque à l'échelle mondiale. Vous savez quoi? On va cesser ici les loulous. Allez, sur ce je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir là. Oui, attitude. Comme d'habitude, je vous procure.
Vous connaissez la chanson, vous connaissez la chanson du temps, je vous laisse, je fais bien tout partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tchabai, Bouti Bouti et que l'amour du pays soit avec vous. Peace.